ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour ce test de Darkest Dungeon, un jeu qui m'a marqué, qui est le deuxième jeu que je conseillerais dans ma sélection 2016 après Oxenfree. C'est un jeu alors qui a été financé par Kickstarter, développé par par Red Hook Studios. Il a été très longtemps en accès anticipé, je l'avais dès l'accès anticipé très vite. J'ai très vite su que c'était un très très bon jeu, j'y ai peu joué. Et j'avais une sauvegarde où j'avais fait, je sais pas moi, quelques heures, hein, on va dire, une trentaine ou une vingtaine, ou j'en sais rien. Mais bon, et je l'ai effacé quand c'est arrivé en français, parce que je considérais qu'il fallait repartir de zéro, et puis c'était la fin de l'accès anticipé. Donc c'est un jeu, je parle plus maintenant des jeux accès anticipé, je parle quand ils sont sortis. Et lui, c'est un jeu que je vous conseille vivement. C'est fort inspiré par les romans gothiques et Lovecraft. Si vous connaissez pas, je vous laisserai mener un peu de votre enquête. Il met en scène des aventuriers face aux ténèbres et à leurs conséquences sur l'esprit. C'est un jeu qui gère le stress des aventuriers, ce qui est quelque chose de rare, mais quand même brillant. Et vous êtes l'héritier d'une grande famille, votre devoir en tant que tel est de réclamer les terres et de vos ancêtres. Le problème, c'est que votre ancêtre, qui était un petit peu une sorte de archéologue, paléontologue, ou géologue, a commis erreur de déveiller suite à une des excavations des forces maléfiques enfoui sous un donjon. Ça s'est répandu un peu partout dans différentes régions et maintenant vous payez un tout petit peu les erreurs qu'il a fait. Et donc c'est un jeu, alors je vous le dis, hein, c'est un jeu de rôle RPG, donc hein, typiquement avec une composante énorme de roguelike, parce que vous avez vu dans le petit message après l'introduction que vous pouvez perdre vos équipes. Alors on va commencer sur la séquence de Twitch, sachant que j'essaye d'y jouer au maximum. Là j'ai fait 2-3 tries pour le jeu. Alors vous allez régulièrement et revenir régulièrement au hameau. Alors je vais l'écrire de façon très 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 légère. Et alors il y a une voix qui est magnifique, qui a une voix grave et des choses comme ça. Alors pour gagner un peu de temps dans ce jeu et dans quelques jeux où j'aurai pas grand chose à dire, en tout cas j'aurai beaucoup de choses à dire dans le jeu, je ferai apparaître directement les points positifs, points négatifs quand il y aura un moment de pause, ou en tout cas un moment que je juge un peu, où c'est un peu où je peux le balancer.
Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, voilà, donc je peux pas le faire en même temps. Donc là vous êtes dans le hameau, il y a différents endroits, je sais pas si vous voyez, hein, hop, voilà. C'est bien expliqué, vous aurez au fur et à mesure des tutos qui vous expliqueront. Alors je donne un exemple, le cimetière va vous permettre de voir les héros qui sont morts. Le mémoire ancestral va vous permettre de voir toutes les vidéos et les objectifs que vous avez remplis avec l'ancêtre, hein, voilà. Vous aurez la roulotte qui va vous permettre d'acheter des trinkets, des objets que vous pourrez équiper, et comme tous les endroits du hameau peut être amélioré avec des ressources. Alors vous avez 5 types de ressources dans le jeu. Vous avez l'or, les bustes, les portraits, les contrats et les blasons. Vous les obtenez soit en finissant des donjons, soit en les lootant directement dans les donjons. Et c'est vraiment la touche un peu stratégique et de réflexion du jeu. Alors vous voyez qu'il y a des onglets, hein. À chaque fois si vous appuyez sur H par exemple, vous allez avoir les éléments qui sont disponibles à acheter. Bon, on va pas s'amuser à le développer, donc vous allez avoir le problème de ça, parce que chaque amélioration, je vous donne un exemple, on va prendre un autre exemple, on va prendre le survivaliste. Il se peut que vous ayez un long donjon, il se peut que vous ayez un camp, un feu de camp, ou deux feux de camp, et le survivaliste va fournir des caractères à vos alliés. Je donne un exemple, Papy. Bah, par exemple, il a comme trait de caractère, je sais pas, réflexion seulement sur soi, réduit le stress de 20, plus de précision, il encourage, il rend moins stressé un allié, et si vous en voulez d'autres, il faudra acheter et dépenser 7 or. Je vous ai dit, c'est une ressource. Hein. Et vous pouvez l'améliorer toujours en utilisant des blasons. Sachant qu'au début, vous en aurez assez peu. Après, ça pleuvra de façon assez dingue. Ensuite, vous avez un endroit qui est très important et que je vous conseille d'améliorer très vite, c'est la diligence. C'est le flot absolu régulier d'alliés. Sachant que... Alors, c'est là où vous allez me dire, waouh, mais je ne comprends pas. Est-ce que la liste est pleine? Ah ouais, la liste est pleine. Il faudra peut-être que j'en vire un, mais bon, bref. Pour l'instant, je vais garder tout le monde. Ouais, je vais garder tout le monde, sachant que je vais sans doute virer pour récupérer. Je vais juste vérifier. Là, j'ai trié par classe. Par classe. Donc là, ce sont les personnes que j'ai récupérées. Hein. Sachant que, voilà, j'ai amélioré déjà cette diligence, puisque je peux aller jusqu'à 18. La prochaine étape, ce sera 21. Il faut avoir un roster un peu varié pour pouvoir... vous voyez que là, j'ai 3 heals déjà. Ce sont des Vestales. Hein. J'ai du DPS. Voilà. Sachant que ça, je vais éviter de le jouer. J'ai évidemment un bouffon qui s'appelle Zadoum. C'est son nom, hein, vous verrez. Et donc, vous pouvez améliorer la diligence en utilisant des contrats et des écus. Alors, vous allez me dire, bah, c'est facile. Il suffit juste que je garde tous mes contrats. Le problème, c'est que ça va être en concurrence directe, par exemple. Donc, vous voyez, hein, contrat, écus. Hein. Pour améliorer, donc là on passe de 3 4. Alors je vous conseille d'améliorer tout de suite à 4, tout simplement parce que s'il y a un wipe, vous avez au moins 4 héros, vous pouvez aller en donjon, sinon c'est game over, hein. Voilà, vous partez pas en donjon à 3, donc pensez à améliorer tout de suite à 4 au moins le nombre de héros par semaine. Après, si vous avez envie d'augmenter au fur et à mesure, c'est pas gênant, sachant que des fois vous aurez des gens qui seront totalement inintéressants. Je donne un exemple très concret. Je n'ai pas kickstarté le jeu, hein. Les gens qui ont kickstarté, ils ont eu l'avantage de ça. Vous cliquez sur... Alors oui, j'ai oublié de dire, hein, c'est un jeu pour l'instant exclu PC, mais qui va sans doute arriver sur PS4, PS Vita, je pense, et Xbox. Hein. Donc voilà, sur console, il va arriver, sachant qu'il y a des moments où ils seront très intéressants. Alors chaque héros que vous recrutez a des vertus et des malus, des bonus, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, donc il y a des points positifs, les manies, et des points négatifs. Il a évidemment ses stats, il a les résistances. Voilà, de base. Hein. Il a des pouvoirs et vous allez voir que par exemple, donc Lassie n'a pas les mêmes pouvoirs de base que Kifar. Qui n'a pas les mêmes pouvoirs de base que McDowell. Vous voyez, et en plus il a les capacités de camp qui sont différentes. Hein. Je sais pas, je vous montre un tout petit peu que vous regardez en même temps. Et voilà. Et vous voyez que par exemple, lui, il a que du malus plutôt. Et il a un bonus sur l'affûté, c'est-à-dire c'est un endroit où. Qu'on va visiter. Donc vous voyez un petit peu l'idée, et vous pouvez évidemment à tout moment renommer en disant Michel Power ou voilà. Hein. Vous voyez un petit peu le truc avec les résistances, hein, variées divers. En général, ils n'ont jamais de trinket, ils ont que niveau 0, et c'est à vous de les faire level up, on va dire. Donc la diligence est très importante. Vous allez me dire, donc la diligence, je l'ai dit, on l'améliore avec les contrats. Le problème, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va être amélioré par le contrat, c'est le forgeron. Vous voyez, hein, donc voilà, je ne l'ai pas encore amélioré, mais en gros, avoir une meilleure armure, une meilleure arme,
ça vous augmente l'esquive, le DPS, bon bref, ça peut être très important. Sachant que vous pouvez bah, voilà, pimper votre personnage, sachant que c'est de plus en plus cher et c'est avec de l'argent que vous améliorez vos héros. Michel par exemple, c'est le premier personnage hein, avec Raoul, que vous voyez pas ici, puisqu'il est là, voilà. Il faut savoir une chose, c'est que on l'a eu de base au début, il y a une sorte de tuto hein, qui explique bien. Ensuite, vous avez des autres endroits, alors par exemple quand ils vont gagner un level, par exemple Raoul, il va pouvoir s'améliorer. Vous voyez ses capacités de base. Alors là j'ai choisi certaines capacités qui m'intéressaient avec Raoul. Et ça va coûter 200 pièces d'or. Donc vous voyez quand même le coût. Et si je joue des capacités qu'il n'a pas, ça va me coûter 800 pièces d'or. Donc choisissez bien les personnages. Il y a un petit choix, c'est un petit peu stratégique. Et vous l'améliorez, la guilde, avec des portraits et des écus. Toujours les écus, hein. On revient à ça. Le sanatorium qui va permettre de soigner des maladies. Voilà, par exemple, là, Raoul, il est l'ennui. Il va être de moins en moins vertueux. C'est les bustes et les écus. Ou les blasons. Vous pouvez loquer sur Raoul une manie positive. Voilà, mais ça va coûter de l'argent. Vous voyez, 7500 pièces d'or. Vous pouvez aussi supprimer des manies qui sont négatives, qui sont de plus ou moins chères. Ça va prendre un tour, hein, quoi, un donjon où vous serez en balade. Donc voilà, il y a un côté comme ça, c'est en général réservé pour les joueurs plutôt en fin de partie. L'abbaye, c'est pour vous reposer. Alors je vous conseille d'améliorer, alors là ça sera aussi des bustes et des écus, d'améliorer la partie du haut. Ça veut dire par exemple, là j'ai ma barbare, hein, vous voyez qui est un peu fatiguée, qui est un peu stressée. C'est la barre un petit peu voilà, qui se remplit, hein, sachant que quand ça se remplit à fond, il va y avoir quelque chose qui va se passer, j'en parlerai dans le jeu in-game. Donc là, je vous conseille de mettre vos hommes quand ils ont besoin de déstresser. Donc c'est pendant un tour là aussi, tout à fait en haut, parce que plus vous descendez, plus ça coûte cher. Et donc c'est mieux d'améliorer la partie cloître. Même s'il y a des personnes et des personnages qui vont par exemple ne pouvoir aller qu'à la taverne pour vous déstresser. Et puis il va y avoir toujours Michel qui va être là et qui va pouvoir être chiant. Et vous avez vu que ça s'améliore par des portraits, comme la guilde. Donc vous allez avoir des choix à faire. Est-ce que je vais améliorer plutôt la taverne? Est-ce que je vais améliorer plutôt la guilde? Est-ce que je vais améliorer plutôt le forgeron ou la diligence? Voilà, et est-ce que je vais aller dans le sanatorium pour loquer des choses cool pour mes personnages? Vous aurez le choix. Il n'y a pas une seule façon de jouer dans ce jeu, il y en a vraiment plusieurs. Et j'espère avoir fait, j'ai fait une présentation d'aller de 7-8 minutes, mais je suis allé vraiment dans le plus rapide pour essayer que vous ne vous perdiez pas dans le jeu, mais sachez que les choses vont être débloquées au fur et à mesure. Et que le sanatorium, le forgeron et on va dire le survivaliste, ce sont des choses qui vont arriver vers la fin du jeu, ou en tout cas quand vous serez dans des équipes bien avancées. La guilde, la taverne, l'abbaye et la diligence, ce seront des éléments qui vont arriver assez vite, début et côté moyen, à peu près à mi-chemin dans le jeu. Donc voilà, priorité sur les choses qui sont vraiment utiles pour vos héros. Et puis voilà, donc on va se lancer dans une intervention. Je vais peut-être essayer quand même d'envoyer un ou deux. On va classer par stress mes héros. Ouais, alors on va déjà envoyer... Voilà, est-ce que je peux aller? Oui, je peux, donc on va l'envoyer là. On va envoyer Lula, hop. Oui, c'est un renom personnel. Pour un souvenir, on va essayer d'envoyer... ouais, 1250. Ça me gêne un peu de claquer ça, mais bon, voilà, hop. Voilà. Donc là, j'ai à peu près envoyé tout ça. J'ai 5000 pièces d'or, sachant que je vais peut-être améliorer des personnages. Le but est de vous montrer une partie. Donc, on va aller vers se préparer. Sur se préparer, il y a 5 endroits. Je vais virer Raoul parce que je ne vais peut-être pas forcément le prendre. Ces 5 endroits sont les donjons ténébreux. Je n'y ai jamais joué, donc je peux vous le dire, je n'ai pas une équipe assez suffisamment avancée. Sachant qu'il faut des personnages de level 6. Et que le plus haut que j'ai eu jusqu'à présent, et actuellement, c'est 4. Voilà. Donc, et vous verrez que c'est bien galère de l'avoir déjà, level 4. J'en ai 2-3. J'ai du 3-3 partout, dans tous les sens. Donc voilà. Ensuite, vous avez des... tout ce qui est vert, ça va jusqu'au level 3 non compris. C'est-à-dire vous pouvez y aller au level 0 de votre personnage, qui est ici, hein, marqué ici. Voilà, 0. 1, 2. Après 3, il faudra aller sur ce genre de choses, il y a marqué vétéran. Et après, bah, ça va se compliquer de plus en plus, vous avez compris. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ces endroits? Les ruines, ce sont en gros des forces impies. Et vous pouvez avoir différents objectifs. Alors je ne vous spoilerai pas les différents personnages que vous avez éliminés. Vous avez parfois des boss,
Donc, là, des ennemis, comme par exemple l'apprenti nécromancien, vous allez avoir des objets, des trinkets, des écus, des blasons que vous recherchez, je vous rappelle, des bustes. Vous avez par ici, le prince porcin, là aussi, qui vous donnera des portraits, des blasons, uniquement pour la classe abomination qui n'est pas présente ici, donc je ne peux pas vous en parler. C'est en gros une personne qui peut se heal et prier quand elle est seule, ou vomir, ça me l'a dit, ou carrément se transformer en loup-garou, hein. C'est très puissant. Et puis vous avez du scouting, ça veut dire en gros observer l'endroit dans un endroit un peu particulier. Voilà. Hein. Ou alors moyenne, tout simplement activer les sanctuaires des bestiales. Alors il y en a vraiment plusieurs types. Hein. Je vais prendre quelque chose de court, donc ça sera sans doute la crique, sachant que c'est un endroit dangereux et un peu océanique. Les monstres sont un peu océaniques. Donc les ruines, ce sont souvent des monstres impies. Voilà, des monstres impies. La tanière, ce sont plutôt des types porcins. Vous allez voir apparaître des petites vidéos au moment. La futée, ça va plutôt être des animaux sauvages, ça peut être des loups, ça peut être des araignées, ça peut être plein de choses comme ça. La crique, donc c'est vraiment typiquement un peu aquatique. Alors je dirais pas des murlocs, mais quelque chose qui ressemble à des murlocs, des monstres qui peuvent exploser, des mecs qui peuvent harponner. C'est pas si simple que ça et je vais devoir choisir un groupe qui va tenir la route. Voilà l'idée. Donc, bah, je vais prendre ça. Donc, les objectifs sont divers et variés, hein, je vous ai dit. Ça peut aussi se récupérer du grain dans un endroit, je pense à la tanière. Et donc, on va prendre Lola. On va prendre le guerrier de la lumière. Je vais juste voir qu'il a bien les bonnes capacités. Je vais prendre le Bounty Hunter, le chasseur mercenaire. Je vais peut-être lui... Alors là, vous voyez, hein, il y a quelque chose qui me gêne dans le personnage que je vais prendre, c'est Renincourt. Il n'a pas un pouvoir il y a des pouvoirs qui ne m'intéressent pas. Et donc je vais prendre... Viens plus près de moi, mon pote. Voilà. Et vous voyez que ça coûte de l'argent, hein, 800. Je vais le sélectionner sur sa fiche avec le bouton droit de la souris. Je peux évidemment le renommer. On va mettre Michou. Voilà. Et on va lui mettre postulant mercenaire. Voilà, je pourrais le renvoyer. Hein. Il y a un succès pour faire ça. On va le lier comme ça. Et on va le virer le truc que je ne veux pas. Et on va prendre celui-ci. Voilà. Et vous avez sa place favorite. En fonction des pouvoirs qu'il utilise, bah, certains pouvoirs seront voilà, viser les cibles à l'avant. Les points rouges et les cibles. Les cibles du fond, les cibles, toutes les cibles ou n'importe quelle cible. Voilà. C'est pas visible sur lui, je vais vous en parler dans le donjon. C'est parti, on n'a plus qu'un dernier, une dernière place, donc on se prépare. On va prendre pas Raoul, on va prendre Abelin. Alors Abelin, ouais, ça me va très bien. Tire à l'aveugle. Non, j'aimerais bien qu'il ait Bola. On va prendre Bola. Je prends la guilde, je vais aller là, je vais acheter Bola, voilà, et je vais lui modifier. Vous voyez que j'ai plus que 3000 pièces d'or, hein. Ça commence à faire peu. Je vais virer le tir à l'aveugle et je vais prendre Bola, et vous voyez sa place favorite va être ici. Vous voyez, hein, ces points négatifs qu'il a, hein, lui, hein. Voilà, donc on est parti. Alors, au moment du chargement, je vais commencer par les points positifs, il y en a beaucoup, et je vous ai dit, je ne vais pas les décrire tous. On va d'abord se récupérer. Alors on va récupérer obligatoirement une douzaine de nourriture, deux pioches, deux de chaque, sauf la clé. J'aurai pas de l'argent pour je prends un bandage. Pour les torches, je vais en prendre une ou deux. Alors je vous expliquerai après pourquoi c'est pas utile. Alors on va commencer par les points positifs du jeu, sachant que je suis à peu près à mi-chemin sur ma vidéo. Ouais, voilà. Alors là on est dans la crique, hein, je vous ai dit, la peau et les écailles des hommes poissons leur confèrent une résistance augmentée aux attaques de saignement. Donc ça veut dire qu'il faut favoriser des personnages qui vont entrer des maladies, pas du saignement. Sachant que là, dans ma team, j'ai quelques personnages qui pourraient faire du saignement. Donc j'ai pas forcément choisi le bon élément. Alors je répète, il n'y a pas qu'une façon de jouer. Vous verrez plein de vidéos avec des personnes qui ont découvert le jeu. Il y a Bob Lennon, des choses comme des Xeleco, des personnes qui ont fait ça. Il y a plusieurs façons de jouer et il n'y en a pas qu'une. Et ça veut dire qu'il y a des teams qui vont être capables de se heal tout seul sans avoir aucun healer. Là, il y a un healer, hein, dans la team qui va être chargé de heal. Et il y a des teams qui vont s'auto-heal tout seul. Donc les plus
Voilà, je précise que je suis en général quelqu'un qui n'aime pas la difficulté, ou les voir apparaître. Et même si c'est difficile, même si c'est du tryhard, des choses comme ça, eh ben, je trouve qu'on apprend énormément de ses erreurs. Que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont bien dans ce jeu. Et je voudrais quand même souligner certaines choses dans le gameplay, donc vous allez comprendre ça, sachant que l'atmosphère est absolument magnifique. The smell of rotting fish is almost unbearable. Voilà. Donc vous allez avoir que ce donjon, hein, les amis. Hein. Donc l'idée, c'est qu'il faut explorer 90% des pièces. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Il faut aller dans tous les endroits. Avec le bouton gauche de la souris ou avec le clavier, vous sélectionnerez une pièce et puis bing. Avec la manette, je pense que ce sera différent. Hein. Vous pouvez évidemment échanger à tout moment le personnage avec cet élément-là. Hein. Voilà, hop, donc c'est tout con. Hein. Hop, on va l'inverser, puisque c'est classique. 90% des pièces, ça veut dire que en gros, si je regarde la map, je dois explorer toutes ces pièces, sauf celle-là, ou inversement, pas celle-là. Je vais commencer par celle-là, et puis si j'ai une équipe suffisamment en forme, j'irai faire la dernière. Vous avez le droit à tout moment de fuir le donjon. Voilà. Sachant que, voilà, alors ça c'est important quand même dans les options, vous pouvez modifier le gameplay parce qu'au départ, de base, c'est comme ça. Et donc là, moi, j'ai désactivé toutes les options qui étaient un peu chiantes. Genre, fuir le combat peut échouer, ça peut arriver. Des critiques standards des ennemis, ça veut dire qu'il peut y avoir des plage damage. Donc voilà, multiplie leurs dommages de base comme pour les joueurs si désactivé match max uniquement. Voilà. Pénalité du délai de combat, voilà, tarder trop, il va y avoir du renfort. Donc c'est très désagréable. Et les monstres peuvent laisser des dépouilles. Ce qui est très désagréable et très chiant. Voilà. Donc oui, sauvegarder. Hop. Donc pensez à aller dans gameplay et dans les options pour désactiver les options qui vous agacent. Alors, première chose, à tout moment avec le bouton droit, quand vous avez sélectionné un héros, vous pouvez voir ses stats, ses manies, ses points de vie, sa résistance et ses calculs. Et ses pouvoirs aussi. Voilà. Là, il y a sa barre de vie, sa barre de stress. Quand sa barre de stress, cette barre blanche, va être remplie à fond, il va y avoir, et là vous allez avoir plein de petites vidéos qui vont apparaître. En gros, Guéron va être testé et alors il peut être craintif, paranoïaque, masochiste. Alors exemple, hein, masochiste ne veut pas être heal. Laissez-moi mourir, je sens, j'aime bien la douleur, j'adore ça. Injurieux, il va insulter les autres. Voilà. Ou alors des choses très positives, genre fidèle, courageux, il va encourager les alliés, il va être résistant, il va pouvoir récupérer un peu de vie lui-même. Bon voilà, vous voyez un petit peu l'idée, sachant que souvent les malus c'est malus, et donc ça peut partir très vite en cacahuète. Le stress, hein, donc, cette composante qui est apparue là, et qui n'était jamais dans les RPG avant, en tout cas dans les jeux de rôle, c'est vraiment la meilleure idée du jeu, avec les camps en pleine nuit. On va se diriger donc vers une pièce, vous voyez, hein, donc je clique sur ici, bouton gauche, hop, et on va se diriger vers là. Alors, il y a une chose à savoir, là la torche est radieuse, il y a des gens qui ils vous diront il faut absolument que tu joues dans le noir, ou des choses comme ça. J'ai oublié de le dire, le jeu est axé en free DRM sur Good Old Game, pas sur Steam ni sur Humbundle, hein, sur la store. Ça peut être utile de le récupérer en free DRM, surtout pour les gens qui connaissent. Quand la torche est radieuse, vous avez plus de repérage, plus les monstres vont être facilement surpris, et c'est tout. Et vous allez voir comment va évoluer la torche au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, hein, j'avance avec la souris ou avec les flèches directionnelles. Et je ne peux que aller d'un point A à un point B. Là, il y a une curiosité en général. Vous pouvez cliquer dessus et récupérer son contenant. Vous pouvez aussi mettre un objet, utiliser un objet. Je clique sur la porte pour aller dans la pièce. Et ça va me permettre. Il n'y a personne, donc on va repartir dans le sens. Il se peut qu'il y ait une patrouille au retour, hein. Il se peut aussi qu'il y ait des pièges qui apparaissent. Donc il faut faire toujours attention. Vous voyez que là, par exemple, je suis entre le premier et le deuxième rectangle, hein. Voilà. Alors quand je vais revenir, je vais faire apparaître, vous voyez que là il se reste tout seul, hein, on ne sait pas pourquoi, sans doute pas à cause de la lumière. Je vais faire apparaître la deuxième partie des points positifs. Alors je donne un exemple, j'ai parlé de classe Yata comme l'occultiste. L'occultiste est capable de soigner ses camarades mais peut les faire saigner. Ça veut dire qu'en gros, tu essayes de sauver des gens, tu peux je sais pas, leur envoyer 36 points de vie, beaucoup plus que la petite Vestale qui est là. Parce que la Vestale, elle heal, vous voyez, 4 ou 6, 1 et 3. Quand c'est en critique, c'est allez jusqu'à peut-être 10. L'occultiste, il va faire beaucoup plus, mais il va pouvoir mais vraiment vous mettre dans le caca. Il y a beaucoup de classes, du tour par tour qui va être bien fait, vous allez comprendre ça quand on va y avoir un combat. L'atmosphère, la bande son, hein,
le pim de ses persos, le choix des trinkets, les pouvoirs, je vous en ai parlé dans le chose, la voix off qui est excellente, les dés de stress ça vous gagne, les afflictions et les vertus, je vous en ai parlé quand la barre de stress est remplie. On va aller dans l'autre pièce, c'est pas encore fini, hein. Il y a encore d'autres points positifs, donc voilà, mais je voulais absolument que vous ayez ça sous forme de texte parce que c'est très long et qu'il y a beaucoup de points positifs et que je veux vraiment finir ces donjons. Voilà. Alors là c'est le tour 1, je les ai pas surpris. Il y a une sorte de Morlock, vous voyez, hein, qui ressemble quand même un peu à ça, qui va essayer de stresser mes alliés. Lui, je vais utiliser ses pouvoirs. Je vais essayer de le taper en priorité. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de points rouges liés, donc je vais frapper qu'une seule cible. Soit celui-là, soit celui-là. On va prendre celui-là. Voilà, je lui enlève 6 points de vie. Vous voyez ces points de vie qui sont ici. Voilà, je ne l'ai pas montré, donc je vais essayer de vous montrer. Alors je vais pas heal avec ma Vestale. Alors elle peut heal une personne, heal de groupe et attaquer. Sachant que là on est dans le tour 1, d'accord, et qu'il y a très peu de personnes qui aient de points de vie. Même elle a pas besoin de spécialement de points de vie, lui non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper la cible qui est la plus dangereuse pour moi, c'est-à-dire lui. Avec mon pouvoir, si elle fait un crit, elle va faire masse de dégâts. Alors vous voyez que ce chaman pélagique, il peut stresser, il peut healer. Et il a des résistances, étourdissement, infection, saignement, malus, déplacement. Il a une esquive, il a une vitesse, il a des points de vie. Allez, c'est parti les amis. Elle a fait 8 points de dégâts, ce qui est pas mal. Voilà, donc lui, il essaye de le faire saigner et il est arrivé. Il a un malus, plus 10% de stress pendant 3 tours. Je vais utiliser une attaque de zone qui va débuffer les ennemis, vous voyez, hein. Moins 5 de précision, moins 5 de critique. Et ça va essayer de peut-être finir celui-là, le chaman, qui va pouvoir heal. Malheureusement, non. Voilà. Et je peux pas. Donc, lui, c'est le tank, il va pouvoir attaquer les deux cibles. Alors, il a deux pouvoirs qui pourront attaquer directement. Là, c'est un heal. Là, c'est intimider, ça veut dire c'est un debuff. Donc, celui-ci, c'est attaquer une mono-cible. C'est-à-dire, si je sectionne, je peux attaquer soit celui-là, soit celui-là. Soit j'utilise ce pouvoir qui va attaquer les deux. Et on va attaquer, c'est ça. Il peut miss, hein. Alors regardez bien les animations, c'est un petit peu du théâtre de marionnettes. Voilà, hein. Et vous voyez que j'ai attaqué encore plus celui qui était derrière. Alors lui il saigne, hein. Et plus il saigne, plus les dégâts seront importants. Je sais pas si vous voyez, il y a deux dégâts en 3 tours. Il va essayer de heal. Ah non, il va le buff. Il a voilà, plus 25% de dégâts de dommages. On va s'occuper prioritairement de celui-ci. Voilà, et je l'ai tué. Ensuite, je vais utiliser Myles pour... Ouais, pour heal le lépreux. Voilà, alors qu'il lui ramène des points de vie, vous voyez. Même s'il saigne, voilà, il va en perdre. Puis voilà, et le lépreux va... Ouais, je vais faire un tour de plus. D'ailleurs, je vais healer mon lépreux, vous allez voir, parfois c'est tactique. Donc il va se full heal. Voilà, et on va finir Raymond... Voilà, avec Michou, hein. Michou est toujours très fort. Et on va finir lui. Comme ça, pourquoi? Alors parfois c'est très tactique. Alors voyez le loot, hein. J'ai ce loot là. Sachant que ma torche est maintenant dans la pénombre, il y a plus de stress pour vous, plus de précision et de dommages pour les monstres, plus de héros surpris, donc ça veut dire que mon équipe peut être surprise. Surprise, ça veut dire que en gros, vous allez pouvoir attaquer. Sans, si vous surprenez les monstres, on va aller dans la torche un peu plus haute, voilà. Vous allez, les monstres peuvent être surpris et vous pouvez les attaquer en premier. C'est un énorme avantage. Si vous êtes surpris, bah lui peut être au fond alors qu'elle est en première ligne. Ce qui est très dangereux, hein. Mais vous avez plus de loot. Voilà pour l'idée. Hop, voilà. Donc le contenu du sac vous appartient, un peu d'or. Mais je récupère 0 or dans... Dans cette partie, hein, sur Twitch. Alors, troisième partie et dernière, je pense, du point positif. Donc, c'est le Early Access. Le filon n'est pas éteint. Vous allez voir ça dans les regrets. Le système de bivouac, le bestiaire qui est très original, la bonne VF, du contenu des heureuses ou des malheureuses rencontres. Alors ça, c'est très important. Et vous allez avoir du bon patch. Vous allez avoir une vidéo qui va apparaître à ce moment-là. Qui va un petit peu dans le coin droit là, où vous allez en gros avoir des pièces secrètes, ou alors vous allez pouvoir rencontrer le collectionneur, qui est une sorte de boss qui va pouvoir faire wipe un groupe. Alors là je repère, hein,
les alentours, ça veut dire que je sais à peu près ce qui va se passer dans la suite. Donc, bah, les heureux, les pièces secrètes, c'est tout simplement des pièces, une sorte d'étoile, et qui vont vous permettre d'avoir du loot, des gemmes en plus, ou alors des trinkets très très rares. Voilà. Alors, des infos sur la minimap. Je sais pas si vous allez vous... Là, il faut vraiment se concentrer les amis, hein, donc essayez de regarder. Donc je me déplace avec le bouton droit de la souris. Hein. Là, il n'y a personne. Puisqu'il n'y a pas de personnage. Là, il y a une curiosité. Là, il y a un combat. Donc il y aura des monstres. Là, il y aura un combat avec un trésor à l'intérieur. Donc l'idée, c'est que je vais me diriger tranquillement vers là. Donc quand vous scoutez, en gros, vous savez ce qui va vous attendre. C'est-à-dire s'il va y avoir un piège. Alors je pourrais utiliser le mandat, je ne vais pas l'utiliser parce que ça sert à aucune idée. Alors là, je donne un exemple. Ici, vous pouvez évidemment directement toucher. Sauf que ça peut avoir des effets points positifs ou points négatifs. Il existe dans son jeu et sur Internet ce qu'on appelle un wiki curio qui a été traduit parfaitement bien par Millennium. Donc je vous mettrai les deux liens, le truc en anglais et le truc de Millennium. Sachez que par exemple ici, si j'utilise l'eau bénite, je vais avoir un bonus bien plus fort que si j'utilisais uniquement en utilisant cette icône là, boire dans la flaque. Si j'utilise l'eau bénite, vous allez voir ce qui va se passer. Ah mince, c'est pas ça. Alors c'est moi qui me dis une bêtise, hop, ça. Non, c'est pas ça, bon, j'ai une chance sur deux rois. Hein. Hop, voilà. C'est, donc c'était l'antivenin et ça a ramené des points de vie. Excusez-moi, hein. Voilà, j'ai été très mauvais sur ce coup-là. Très noob, on va dire, mais bon, en même temps, c'est Z-noob. Et voilà. Alors, la dernière partie des points positifs, c'est du grind. Alors, c'est du... Je joue avec mes personnages, je les fais monter en level. Des combats stratégiques. Vous avez vu comment je vais faire. Est-ce que je vais attendre temporiser un tour de plus pour que tout le monde soit quasiment full vie. C'est ce qui était le cas, là. Vous pouvez enlever les options, la communauté, le wiki qui est très bien fait, révolutionnaire et visionnaire par certains points. Si la version console ou portable arrive, attention, ça va faire très mal. Et c'est un jeu good old game, free DRM, must buy, et je considère que vous devez le récupérer. Alors là, vous voyez que j'ai encore scanné d'autres endroits, donc il n'y a pas de combat ici. Donc ce que je vais faire, alors là ça va être un peu stratégique, c'est que vous avez compris que si vous regardez, je regarde la carte, donc je me dirige vers là, hein. Je descendrai là et je remonterai. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais éviter cette bataille-là. À la crique, c'est toujours dangereux. Bah ouais, par exemple, ça, ce groupe-là, c'est un groupe très dangereux. Très dangereux. Parce que regardez l'arponnage. Alors là, il fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Mais il peut en faire jusqu'à 10. Et vous voyez qu'il esquive mon attaque. Cette créature maléfique. Et ils esquivent encore. Alors là, si vous détestez tout ce qui est critique, oubliez ce jeu, hein, parce que voilà. Vous voyez, hein, les dégâts qu'ils font, massifs. Ouh, j'ai un petit lag. On va essayer de debuff. Et vous allez voir le malus, moins 5 précision, moins 5 de crit. Donc ça, c'est déjà un debuff. On est déjà dans le tour 2, et vous voyez qu'ils font très mal. Et là, tout le monde va être debuff et stressé parce que tout simplement, il s'est pris une critique. Et vous voyez, là, ça fait très très mal. Voilà, là, j'ai réussi à l'avoir. Et là, vous voyez que ça buff tout le monde aussi puisque... Oulala, là, il va être presque en bord de la mort. Chose, on va essayer de le faire. Vous voyez, donc là, j'ai vraiment très mal. Et vous voyez le dur métier de healer parce que ça ramène que 4 points de vie. On va essayer de... Ouais, il faut absolument que je finisse celui-là. Et là, je vais essayer de tenir un tout petit peu et de faire perdre du temps. Voilà, là, il va essayer de me tuer, mon personnage. Là, il est au bord de l'agonie, vous voyez, hein. Donc là, on va essayer de le sauver. Hop, on va lui tirer du bola. On va essayer de se heal. Donc là, je me heal. Là, heal-moi ça, vite fait, bien fait. Voilà. Et maintenant, tape-moi quelqu'un d'autre. Ah non, bon bah on va le finir. Hop. Ah, oh, raté. Bon bah on va essayer de re-heal. Voilà, il est à 10. Il a déjà, c'est beaucoup plus récent. Oh, il va encore faire chier. 8. Vous voyez qu'il a 2 points de vie. Bon là, il va mourir normalement. Pas loin. On va se heal encore une fois. On va remonter sa vie. Pour qu'on puisse tanker un tout petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, il est proche de la mort. 10. Donc là, il va être encore à l'agonie. Michou agonise, et oui, Michou est au bord de la mort. Je vais l'inverser. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire ça. Bah, pourquoi je peux pas l'inverser? Ah. Bon, on va faire ça alors. Et on va healer.
Voilà, 10, une crit. Donc là, vous voyez que je suis revenu et qu'en gros, j'ai eu des points de vie et on va finir le... En gros, j'ai remonté... Guéron et Michou est à peu près comme avant. Donc en gros, c'était une action qui valait absolument le truc. Je vais remonter Michou, vous allez comprendre un petit peu comment. Alors, j'arrête de faire mumuse. Je vais sélectionner Michou et je vais lui faire manger de la nourriture. Ce qui va permettre de... parce que ma vaisselle ne peut pas heal là, hein, en dehors du combat. Donc voilà, c'est un peu le truc et l'idée du jeu. J'en garde parce que on est assez loin. Il me faudrait au moins 2 et 2. Vous voyez que j'ai récupéré des contrats, de l'or, des bustes, des gemmes hein, qui vont être revendues. Tout ce que vous n'avez pas utilisé va pouvoir être revendu. Je regarde un petit peu dans le timer où j'en suis. 31, donc voilà, il va y avoir un coffre. Et vous avez vu que j'ai une équipe qui fait très mal en face de moi. Donc là, il l'a raté. Ouais, absolument, là, il faut que j'aille vraiment dans le... Ouais, vous voyez, hein, là, ça fait absolument mal. Et vous voyez que c'est assez injuste. Non, là, il faut absolument que... Voilà, je le finisse, lui, parce que voilà... sinon ils vont faire masse de dégâts, esquive, ah, c'est foireux ça. Bah, vous voyez, hein, il focus Michou l'intuable. Ah enfin, alors là vous allez voir. Ok, alors l'arponnage en plus ça permet, les ennemis gagnent des bonus. Ça veut dire que l'arponnage va pouvoir déplacer à haut level vos personnages. Donc vous voyez hein, ces monstres marins là qui sont assez terrifiants. Allez Michou, allez! Tiens! Ah, ça va être mauvais ça. Hein. Ouais, je tape pas assez fort. Il risque de mourir. Mais ça va, ça va. Il tape le lépreux. Donc. Après ce combat, vous aurez les points négatifs. Et je reviendrai un peu sur les regrets. Donc là, vous voyez qu'encore Michou. Voilà, il est mort. Tape pas sur Michou. Merci, ça va. Là, je vais commencer à être un peu stratège. Voilà, il est mort. Donc là, c'est bien. On va remonter Michou. Voilà. Là, on va un petit peu gagner du temps, vous allez comprendre. Je vais remonter ma vie de tout le monde. Il est buff. Ouais, il va mourir. Ouais, voilà. Alors. Voilà, une torche et puis de l'argent. Je suis quasiment dans le sombre et donc vous avez plus de butin. Et donc vous avez toujours cet équilibre entre est-ce que je mets une torche plein pot ou est-ce que je mets plus de butin. Il y a des gens qui seront des ayatollahs qui diront « Oh, ne mets pas de torche. » Vous faites comme vous voulez les amis. Voilà. Là, c'est une curiosité. Il faut utiliser la clé pour avoir accès à un comportement secret et plus de loot. Vous voyez, hein, hop. Et vous allez avoir plus d'or. Alors, les points négatifs, je vous les fais apparaître. Bon, il y en a assez peu, hein. C'est un plaisir solitaire, c'est un mort tryharder, c'est punitif s'il va en mode YOLO. Les boss sont pas tant variés que ça. Et alors là, je voudrais revenir sur quelque chose qui va apparaître sur la chose. Donc là, je vais me diriger vers le bas, comme je vous ai dit, je vais éviter une bataille. C'est tout simplement les déceptions des Kickstarters, les gens qui ont Kickstarté. Bah, tout simplement parce que le jeu, ils n'ont pas ajouté énormément de choses par rapport aux régions. Ils n'ont pas ajouté de nouvelles régions à la release. Et là, vous voyez que là, j'ai plus rien. Donc là, beaucoup de plus, beaucoup de crits sur les joueurs. Je vais quand même claquer la torche parce que j'ai pas envie de me prendre un crit. Notamment, mes personnages sont pas assez puissants, on va dire, sur la crit. Donc voilà, donc je veux pas mourir. Et il se peut que ici, hein, je te rencontre un boss. Hein. Peut-être que là, c'était un boss hein, qui était présent au hasard. Là, il y a le piège. Oh purée, Michou, il est mal. Ok, alors là, je sais qu'il y a un truc... Quelque chose d'étrange, on va essayer, on va voir. Ok. Ah bah j'ai une manie en moins, voilà. Donc j'avais une manie qui était présente, il en avait sans doute 4, elle est supprimée, voilà. Donc vous voyez, hein, toujours les curiosités qui sont utiles à toucher, parce que tout simplement, j'ai du repérage. Alors voyons voir. Donc c'est vide, il y a du chose. Et donc là, quand je serai ici, j'aurai fini le donjon. Alors, donc les Kickstarter, ils voulaient plus de personnages, plus de classes, plus de loot, plus de... alors, je donne un exemple concret que vous comprenez bien. J'ai lu un test de Canard PC où le mec avait peut-être, je sais pas, plus de 100 heures sur le jeu. Et évidemment, si vous avez tryhardé comme des fous, bah, vous allez être forcément déçu du jeu au final. Puisque le jeu est, et c'est ça que je veux que vous compreniez,
vraiment n'a pas évolué de façon significative dans toute l'accès anticipé. Il y a eu des ailes qui sont débloquées, notamment le sombre donjon, le Darkest Dungeon, mais le reste, voilà, il n'y a pas eu de changement majeur, et donc il y a des gens qui se sont spoilés un tout petit peu la suite. Alors là, vous avez un piège, vous voyez qu'il y a 50%, là il y a 80%, là il y a 60% et là il y a 70%. Je vais essayer avec ma prête parce que j'ai pas envie de tester avec le 80% parce qu'il est très mal déjà. Et voilà, bon bah c'est raté, voilà. T'as le bonjour du coup. Je pourrais fuir à tout moment, hein, je vous ai dit. Hein. Et je perdrai l'argent de la quête. Et là vous allez voir, la quête est remplie. Voilà, alors je peux soit revenir au hameau, mais c'est définitif. Soit je peux continuer l'aventure pour essayer d'avoir un peu plus de loot. Je vais aller dans un peu plus dans le loot. Je vais partir ici. Il se peut que je rencontre à tout moment un combat. Hein. Je crois que c'était ça, non? Voilà, vous avez compris hein, l'idée, hein, c'est qu'il faut utiliser les bons objets. Vous avez besoin de manger, donc on va manger. On va demander à Michel de manger un peu plus au cas où il y a un dernier combat. Et puis voilà, et là j'aurai fini complètement mon donjon, vous voyez. Donc quand je vais rendre la quête, il va y avoir du loot, ça veut dire les récompenses de base qui m'a été promis au début. Plus tout ce que j'ai obtenu, et alors je vais revendre les pelles que j'ai eu en trop, les bandages en trop, et je vais revendre les jades, et ça va me faire de l'or. Juste petite chose, les regrets. J'aurais bien aimé plus de variété, plus de bestiaire. Il faut être patient et ne pas avoir peur de refaire, de perdre ses personnages. Ni plus de classe, encore plus d'un pimp des armes armure. C'est-à-dire vous pouvez pas choper et pimper vos personnages avec l'armure des mille et une vérités. C'est pas possible. Donc c'est un peu dommage. Tout simplement parce que ça sera uniquement dans le forgeron et tout le monde aura la même armure ou arme. Voilà. En tout cas pour sa classe. Donc ça c'est un peu dommage. Avoir des niveaux de difficulté clairement établis et du multijoueur, j'aurais bien aimé que une personne contrôle les héros et une personne contrôle les monstres et place les pièges, les choses, et ça serait génial. C'est pour ça que je pense qu'il y aura un Dark Zone 2. Vous voyez, je rends la quête. Donc je vais obtenir les récompenses de base que vous aviez vues. Plus tout ce que je vais revendre va être sur mon compte. Vous voyez que c'est pas énorme. Et donc l'or est vraiment un problème. Vous voyez que j'ai des contrats qui vont me permettre d'améliorer ma diligence. Je sais pas combien j'en ai. Et je vais faire suivant. Voilà. Alors normalement à la fin d'un donjon, vous récupérez des manies positives ou négatives. Là il n'y en a pas. Vous résistez plus au stress. Et vous gagnez des niveaux. Regardez, je sais pas si vous voyez là, hop, le niveau a été augmenté. Là, le niveau a été augmenté. Lola est presque au niveau 3. Je reviens en île. Sur le hameau, pardon, la ville. Et on va se laisser, puisque je pense que j'ai fait suffisamment longtemps. Oui. Vous aurez autour de 40 minutes de test, mais en même temps, je peux pas faire plus court. J'aurais bien voulu montrer d'autres donjons. Je ferai pas de vidéo de tuto, parce que je considère que Millennium, pour une fois, a fait quelque chose de pas mal. Voilà. Il y aura d'autres guilds sur YouTube. Je vous mettrai un guide, sans doute, d'un lien d'une personne que j'ai trouvé pas si mal. Même si c'est long, les guilds, ce sont des vidéos longues, qui peuvent être fatigantes. Je répète, il n'y a pas qu'une façon de jouer. Par exemple, ma team sur mon truc principal, c'est deux abominations, deux maîtres chiens. Les deux abominations sont capables de se heal, de se transformer en monstre et défoncent tout. Et le maître chien est capable de se heal lui aussi. Donc vous voyez un tout petit peu, vous pouvez vraiment tout jouer, tout multiplier. Il y a des wombo combos qui sont présents sur les pages de Millennium. Je vous ai faire apparaître là à ce moment-là, si tu saignes, tu fais de la maladie, tu stun des deux côtés. Voilà, la barbare par exemple peut stun, le répandeur de peste Owen par exemple, il peut stunner les deux ennemis à l'arrière. Donc bref, il y a des combos qui marchent, il y a des synergies, et c'est un jeu par synergie et qui est très bien fait. Voilà. Le bilan, j'aime beaucoup ce jeu car son côté visionnaire et sa direction artistique est irréprochable. L'ambiance est ouf, l'idée de plaisir solitaire est là, et si vous n'êtes pas apeuré par le farming, le tryhard, la perte de vos compagnons, c'est un must-buy de cette année, surtout s'il est en free DRM sur Goodoliem. Je rajoute ça encore. Quand les versions console voire portable arrivent, il y aura un gros phénomène, je dirais une vague de fond à la Hearthstone. Je pense qu'on entendra encore parler d'un Dark Dungeon 2. Donc voilà, là je vais déstresser mes alliés, vous voyez que j'ai presque pas d'argent. Hein. Je vais envoyer Michou quand même se déstresser. Et je peux pas améliorer la diligence, voyons voir. Hein. J'en ai 6, non il m'en faut 16. Vous voyez, hein, donc là j'ai mon roster plein, pardon. Donc Michel, vous voyez que Michel par exemple, Michel il peut pas aller au bar, tout simplement parce qu'il a une manie qui est en ville, ne peut prier que pour déstresser. Ça veut dire que je pourrais envoyer que Michel ici, prier. Eh oui. Alors on va classer par stress pour que j'envoie Michou, voilà. Parce que Michou s'est pris quand même des dégâts, hein, vous avez remarqué.
On va envoyer Lola, elle, je pense qu'elle, elle peut que jouer ou un truc comme ça. Ouais, elle peut que aller jouer, voilà. Et vous voyez que j'ai plus beaucoup d'argent. Guerre d'argent. J'espère avoir été clair. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Le prochain jeu testé de cette année 2016 sera Tomb Raider. N'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. J'espère avoir été essayer d'être complet, même si je n'ai pas pu. Parce que voilà, hein, j'ai dit, hein, par exemple, Bobo, bah, j'aimerais bien améliorer ses pouvoirs. Non, on va dire Guéron, mais vous voyez, j'ai pas vraiment d'argent pour améliorer mes pouvoirs. Vous allez au début galérer pour récupérer de l'argent, surtout dans les premières missions. Donc essayez de garder toujours un peu d'argent pour avoir suffisamment d'objets pour les curiosités. N'hésitez pas à regarder ma description, vous aurez plein de liens cool et, dans le jeu. Et même si je fais de la pub pour d'autres youtubeurs, je m'en fiche totalement. Tchuss, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des remarques. Et je répète, c'est un jeu dans ma section 2016, on en reparlera en fin d'année 2016. Tchuss, prenez soin de vous et amusez-vous bien parce que c'est vraiment un jeu génial et un plaisir solitaire. Et je répète, même si vous perdez des gens, ce sera toujours aussi plaisant. Tchuss! Allez les amis, à plus sur le bus! My dearest Lara, I often think about the shame I have brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? When I was young, it was just my father and I. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. I may have found the next piece to the puzzle, but they're following me. I know them by name now. Trinity. Of course, no one believed him, including me. It's me! Anna! I'm so sorry. Dad was right. The tomb's in Syria. Syria? This is madness. As I walk through frozen sands, through the flames of burning lands, my feet are torn, they're torn to strands. I will not thirst. And I saw something. I realized my father was right. I suspect you already know. Trinity. I led them to it, Jonah. The divine source is real. We've got to find it first. Siberia it is, then. Someday, you're going to make such a mark on this world.